J'ai fait des soupes-là. Donc, pour les plats, peut-être dans le temps des fêtes, là, qu'on ne veut pas mettre sur le comptoir pour ne pas brûler. Ben, on ne fait pas souper juste dans le temps des fêtes, là, mais qu'on ne veut pas brûler nos comptoirs, là. La résine, c'est le fun pour ça, parce que ça ne brûle pas. C'est pas comme du plastique là, que ça va fondre. La résine, ça ne fond pas. C'est vraiment joli, là. Fait que premier soupe-là, je l'ai fait dans le fluorescent. Si jamais ta cuisine est pour ce couleur-là, que tu en veux de ce modèle-là, mais avec une autre couleur, mais fais-moi signe. Celui-là, il est complètement différent. J'ai mis du sable pêche dedans. Je te montre ça, ce sera pas long. J'ai des bouts de résine qui volent partout. Là aussi, il faut que j'enlève la résine qui est de trop, là, mais ça te donne une idée de ce que ça a de l'air. Trop joli aussi. Puis j'ai un autre modèle là, qui est comme ça. Celui-là, je l'ai fait aussi très, très, très fluo. Donc, ça donne ça. On va enlever la résine excédente. Comme ça ici, là, c'est de trop. Si jamais tu l'aimes le modèle, mais tu n'aimes pas la couleur, toujours la même chose, tu me le dis, puis je le change, je t'en fais dépersonnaliser. Là, ici, il faut tout, je découpe la résine là, qui est de trop. Ça a coulé un petit peu. Ben, je vais en avoir comme deux, là, pareil ou presque pareil. C'est dur de faire deux fois la même chose exactement pareil. Ça va être disponible sur mes boutiques.